Hey, on se lève aujourd'hui, c'est un bien ça, hein? Le soleil d'aujourd'hui va bien sécher le pistache. Ma soeur, c'est guette que les oiseaux. Donc, quand je décortique mon pistache, ils ne sont pas là. Mais quand ils sèchent ça sur la cour là, ils viennent là comme si comme s'ils sont de ma famille. Je vous ai aujourd'hui. Maintenant, vous allez me donner le travail. Que ça se sèche correctement avant qu'on aille, on ne craint pas l'odeur de mangala. Parle même comme ça en banga. Et la chaleur de banga, ça te permet pour toi là. Il fait chaud. Quelqu'un va marcher nu ici, d'ailleurs. Nu. Nickel, comme on dit les anglophones. Vraiment. Kona, je vais décortiquer mon pizza pour vous. Je vais parler un peu fort. Le soleil, cette année, c'est quelque chose. C'est comme ça que la pluie aussi. Et je suis sûr que Dieu va faire la pluie, je vais tomber jusqu'à. Quelqu'un va porter ses poussins pour marcher avec. Franchement. Vous n'allez même pas picorer, j'ai même un seul grain de pistache. Je suis là aujourd'hui, comme je fais ici derrière. Vous allez faire ça, tchon, 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 comme si vous êtes malade. Vous connaissez combien ça coûte au marché? Tu parles déjà comme ça là. Tu m'as même fatigué aujourd'hui là. Oui, va où, va où, ça va. Je suis fatigué jusqu'à. Mais il faut que tu parles. Papa va manger quoi. Ah. Donc, c'est la première fois que tu es fatigué. Non, c'est que aujourd'hui là, non. C'est que François m'a tué à la réunion. Donc, tu m'as encore fini, c'est moi. Ce qui fait que je. Ouais. Bon. J'essaie de faire quelque chose avec ça. Hein. Je sais pas mon goût préféré avec ça. Tu crois que j'ai mangé, non? Je connais le coca avec le manioc. Ah. Tu prononces ça comme ça, là, mon frère. Ça me fait un jade dans le cœur. Donc, je passe ça bien comme tu connais, là, pardon. Ok. Et en passant, tu gardes 1000 francs. Hein, parce que. 1000 francs comment? Tu me gardes 1000 francs, non, bébé. Tu jongles, tu gardes 1000 francs. Non, non, pardon, n'exagère pas. N'exagère hein. Pas. Donc tu me donnes 5000, tu veux manger le coq. Et c'est toi qui veux le bon coq. Bien chargé, bien gagné. Il faut la peau, il faut la viande, tout ça. Et la façon que les choses sont chères au marché, tu ne vois pas. Donc je te rembourse encore 1000 francs. N'exagère pas toi aussi, chérie. Ah, bébé, t'aimes que les temps sont durs. Les temps sont durs. Tu vois que je ne commence pas comme ça. Là. C'est dur, mais porte un sac du marché, tu arrives au marché. Quand tu rentres là, on a l'impression que tu es sorti qu'avec 1000 francs. Ouais, quand même. Tellement le sac est même vide. Pourtant, tu as même fait les achats même de 10 000. Tu parles de quoi, chérie? Ouais, ça ne va pas. Ah. Ouais, non, je ne peux même pas te garder 1000 francs. Je vais tout utiliser. Et en plus, tu dois me prendre à Bangwa comme ça, tu veux m'amener ici pour me faire souffrir. Tu veux quoi? Attends, tu dis que quoi? Non, tu crois que je devais quitter chez nous et venir ici souffrir. Il faut mettre fier même qui était peut-être chez moi. Allez, allez, tu fais. C'est peut-être pas qu'au-delà de Steve là-bas, là. Je devais te trouver où? Oh, tu veux me voir? Et après, toi qui m'as zagué, même. Hein. Était fait, donc j'étais aidé, m'était prenant là-bas au village, j'étais mec en ville, ici là, tu manges, tu prends le poids, tu as vu mes toilettes, tu me dis que... Hey. Donc tu m'aimes pas, t'es dragué. Et aujourd'hui, ici, c'est pas avec toi. C'est pas avec toi qui m'a dragué d'abord. Au lieu que tu sais que t'es sauvé même de ton village là où j'étais, dans le trou là. Tu penses que quelqu'un de tes parents va venir m'épouser? Peut-être même m'épouser même qu'un multimilliardaire et vivre dans un palace, je sais pas. Tu peux-tu partir rester avec eux? Ah, toi là, tu fais les choses. Comment on sort bien maintenant? Tu veux que m'énerver seulement comme ça? Oh, pardon, monsieur mon mari. Oh. Tu peux choses comme ça. Bonjour, monsieur. Bon, j'ai pris mon téléphone, ok. Oui. Toi, en tout cas, tu travailles bien. Hein? Toujours. Bye bye, mon cœur. D'accord, bye bye.
Bon, maintenant il faut que j'aille au marché. J'achète le nécessaire et je viens cuisiner. Ah, le bon coquet. Maman a mis là. L'eau dans la bouche. Oh, bonjour maman. Bien dormi. Très bien, maman et toi? Dieu fait grâce, ça n'est pas le débrouille. Est-ce que ton pied là est signé? Un peu. Si tu as pour descendre les escaliers et monter, ça me fait très mal. Donc je passe doucement, doucement. Là tu vas où? Je vais tourner mon pied. Toi, tu ne vois pas le soleil là. Ah, c'est ton pied. C'est qu'on va aller au funérail le week-end. Non, il faut que ça se sèche bien et que t'écrases avant qu'on parte avec. Mmh. Hey, maman, donc tu as tout du côté de toi jusqu'à ce qu'on est à mon mari là-bas. Moi, ça, je fais comment? Je pense au boulot, maman. Ah, ok, papa, bonne journée. Ok, maman. Merci, maman, à toi. J'ai mis les minutes comme ça. Les pigeons là vont être tous les mains. La nourriture ne les effraie pas. Chassez-moi. J'ai mis mes pigeons là. C'est pour ça que j'ai mis les minous là. Bonjour maman. Bonjour ma chérie. Bien dormi. Quoi vas-tu? Et toi? Un peu maman. Bon, j'arrive au marché là maman. Tu peux pas quoi aujourd'hui? Ton fils a seulement demandé qu'il doit faire son goût préféré. Quoi? Eh hey, maman, tu ignores quoi? Le coq. Et tu ne veux pas parler au marché le matin. Tu auras le bon manioc le matin. Les femmes qui de Yabassi pour venir ici au marché vendre le manioc, le bon manioc. Et moins cher. Toi, tu pars au marché à 10h. Ok, vas-y alors. D'accord, maman. On vous dit que la course de l'enfant, c'est le matin. J'espère juste trouver le bon manioc, maman. Oh. Le mari. Le coq. Elle part au marché très tôt le matin. Elle va trouver le bon coq. Elle trouve le bon manioc. Madame se couche, elle dort. Où elle faisait manquer le ménage? Où elle faisait quoi? 10h, y'a mon gars mon temps. Y'a eu coq. Ça va plus aujourd'hui. Elle m'a dit 7h, on va 17h, on va manger à nous là. Le coq. On peut pas le coq, tu sors très tôt le matin. Le coq, c'est comme le coq. C'est pas Mario. Mariam qui? Ça, c'est ma belle sœur. Je t'ai dit que dans la pluie, sur le soleil, tu vas rester avec mon frère. Naomi? Oui. Depuis que mon frère a connu les femmes dans cette maison, cela, je ne parlais même pas avec une fille. Ne me dis pas bravo. On ne causait même pas ensemble. J'ai vu en toi le mariage. Ça veut dire qu'une femme au foyer. Une femme qui est capable de faire un foyer. Donc, une femme. Non, on me laisse. Tu es ma meilleure belle sœur. C'est pas combat là. Ah, bravo. Tu comprends, merci. Non? Si tu bats mon frère et que le jour qu'il n'y a pas encore le mariage est fini entre vous deux, je ne vais pas au pont de voyer. Je vais remonter encore tous les faits là. Parce qu'il peut tomber dans le voyer. Non. Ouais, bravo. Vous deux, c'est amour. Allô, c'est amour à deux, amour à vie. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu es vraiment. Et tu sais que même ma mère, quand une femme vient, voilà, elle dit bonjour. Bon, depuis que tu es là, ma mère est contente. Elle t'a dit que. Mais, et même quand je prépare, Nao, ma mère mange, elle va.
Mais tout c'est bois. Moi-même, je fais la publicité. Tu as fait la bonne cuisine. Pas quoi? Tu fais le service traiteur. Il dit que ta nourriture est impeccable, irréprochable. Ah, ça, bravo. Tu me flattes. Non. Tu me flattes, bravo. Dans la fois dernière où tu as fait le tarot là, merde alors. Tu as dépassé les gens de Bamenda, de Baham. Pourtant, tu m'as rendu. Ton tarot était comme voilà. Non. Non, tu es ma belle soeur. Ouais, mon beau, bravo. Regarde, regarde. Mon frère et toi, si tu meurs à 15h01 minute, mon frère meurt à 15h02 minute. Ah, c'était le pacte, papa. Ça dépasse le pacte. Okay. Ça dépasse le pacte. Après, c'est maman, je sais que je suis encore occupé à la cuisine, là, j'ai des trucs à faire. Ah, donc, c'est un beau feu. Oui, je suis en train de faire le corps pour ton frère. Ah, donc, je vais même être 13 alors. Voilà. Voilà. Le corps, c'est un corps que, s'il fallait me vendre ça, c'est qu'on me le plaît même à femme, c'est ça. Oui. Ton corps est ta nourriture, tu comprends? J'ai compris. Bon. Bon. 13 ans, non? Ok. Donc, tu vas énumérer l'heure. Ouais. Ouais, bravo, après. Ok. C'est que ton plan ne va pas manquer. Ah là là. Ma belle S, belle soeur. Ouais, signé. Tout à l'heure. Signé. Tout à l'heure. Pourquoi tout à l'heure? Ça me joue d'art bien. Hé! Il dit que un gros garçon comme ça, il ne peut pas aller travailler. Restez seulement là pour attendre que son frère rationne. Je ne peux pas, il vient de manger. Ça, c'est les couilles. Ça, c'est quoi? Hein? Ça, c'est aussi le haut de partir à mariage, elle va partir. Elle est seulement là, elle va seulement chercher tout manger ici dedans. Je ne sais même pas. Oh, j'ai dit au gars là qu'on sort dans la maison aussi. Maman, il ne sait même pas ce qu'il nous retient ici. Si ce n'est pas la mère que je prépare et je donne là, eux là même. Oh mon épouse! Maman, j'ai aimé le deux long là-bas d'ailleurs. Mon épouse a dit, pas les pieds plats qui venaient ici que mon frère avait choisi. Ma, je suis avec toi jusqu'à demain. Tu comprends non? Tu es mienne. Je suis avec toi jusqu'à demain. Ma, ça sent bon. Ah hey, pardon, laisse maman. Mais c'est quoi? Tu as mis quelque chose ici au fond? Hein? Laisse-moi regarder. Regarde quoi maman? Hey. Ce que j'entends souvent là, ce que je vois souvent, maman pardon, tu n'es pas à la cuisine pour parler avant moi, donc ne viens pas toucher quelque chose ici. Ma, je m'excuse alors s'il te plaît, c'est parce que j'ai humé l'odeur depuis dehors là-bas. Pour bien humer. C'est le vent qui est en train de sortir avec l'odeur là. Parce que ça ne peut pas être étouffé ici derrière. Hume ça bien, tu as compris non ma? Faut bien humer. Non, ça sent le coq jusqu'à... Ça sent l'odeur du coq. Merde. Ma pardon, je suis encore occupée comme tu me vois là. J'ai beaucoup de tout à faire. J'ai même pas encore épluché le manioc. Pardon, faut me laisser cuisiner. Maman, je peux laver les assiettes, non? Maman, pardon, laisse. C'est pas aujourd'hui que tu as vu que tu pouvais laver. C'est depuis le matin que tu vas te marcher. Tu pouvais bien laver les assiettes là. Mais tu as laissé. Comme tu as entendu humer l'odeur du corps. Maintenant, c'est les assiettes que tu veux laver. Maman, laisse. Je veux finir, je vais laver. C'est pas l'autre qui vient, c'est l'autre. Quand t'as fait, on doit partir. Les noix là. Je vais te dire que j'ai fini la cuisine. Ok, dépose là-bas. Okay. Merci. Bon, maman, elle va aller me doucher. Elle. Dépose l'eau comme c'est un mètre de l'eau. Et c'est le corps. Si je mange maintenant, ça casse sur ma gorge. Je vais dire quoi? Ok, maman, je vais aller chercher. D'accord. Glacé, maman.
Et moi, j'ai un autre chaud, bois l'eau glacée. Tu sais ce que ça va donner? Non glacée. Il y a même mon eau à mon chevet du lit là. Laisse, ça va, laisse. Je vais porter mon nez. D'accord, maman, je vais aller mettre du tout. Vas-y. Merci beaucoup. Dieu est bon, qui m'a fait du bien, mon âme. L'éternel, le Seigneur, Dieu est bon, qui m'a fait du bien, mon âme. L'éternel, le Seigneur. C'est là-haut. Ah, elle est au bravo. Naomi. Mmh. Ouais, ma belle soeur, je n'ai pas. Tu es fatiguée. Non, c'est que aussi, non. Elle a trop travaillé aujourd'hui. Non, oui. Elle a trop travaillé. Elle a épluché le manioc, tout ça, de couper le coq. J'ai même demandé qu'elle devait la veille. Elle a refusé. Elle est trop gentille. Mmh. Il est en là-haut. On voulait la manger. Bon, tu me mets seulement même trois manioc avec un peu le coq. J'aime quand aussi il y a l'huile. Qui met le manioc? Non, que toi, ma belle, tu me mets. Même toi, manioc, non, avec... Quel manioc? Le coq. Quel coq? Mais tu as fait le coq avec le manioc, non? C'était pour vous. Ok. Donc, c'est ça qui a fait que vous avez chanté Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon depuis. C'est bon, je dis que Dieu est bon. Dans la chanson, là, c'était pour le coq. Attends, c'est un rêve ou quoi? Tu ne rêves pas. C'est bien réel. Je suis en train d'halluciner, c'est quoi? Attends, ouais, laisse. Ouais, laisse-moi, bravo, c'est quoi? Bon, parle. Elle fait pas, je ne mange pas. Tu es chez nous, hein? Non, attends, tu es chez nous. Attends, danse, ne crie pas. Et tu es petit pour ouais, parler. Non, elle blague, c'est moi, c'est nous qui blague. Nous avons. Elle s'est plusieurs fois comme ça, et l'autre jour, on a fait la paix. C'est quoi, tu continues toujours? Ouais. Je te rappelle que tu ne mérites même pas, mon petit frère. Danse, attends, ma porte, une vieille femme comme ça, dis attends, ça. Dis donc. Elle va au mariage. Ouais. Va te marier. Naomi. C'est une fille qui aime trop blaguer. Il faut apprendre aussi à comprendre les gens. Quand tu fais avec les gens, il faut apprendre à les comprendre. Qui blague? Non, je dis que tu blagues, mais à la fin. Je ne blague pas. Non. Je ne suis pas en train de blaguer. Il n'y a rien. Le coq là vous rate. Tu es sérieuse? Je suis très. Non, mais je te jure que si elle ne mange pas dans la maison, je te jure que quelque chose va se passer. Je ne mange pas dans la maison si aujourd'hui. Attends, tu te prends pour qui? Attends, das, on fait doucement, das, on te das, fête même tout ça là. Laisse-moi, das, bravo, laisse-moi. Attends, laisse-moi, c'est mon petit frère qui a raisonné. Tout ça à cause de la nourriture. Attends, oui, attends, laisse. Bon, Naomi, regarde, même si c'est même pas trois manioc, même deux manioc, pardon. Donne-le, ouais, dis donc. Tu peux pas nous donner à manger. Tu crées sur nous. Dis donc, ne crie pas sur nous. Bravo, y'a rien. Attends. C'est mon petit frère qui rassure ici. Tu as bien dit petit frère. Un groupe comme toi, tu ne peux pas. Toi, m'aller chercher le travail. Rassurer aussi pour qu'on prépare comme tout le monde mange. Comme toi, le ministre de l'Emploi, pourquoi tu vas dire que bravo, pas là-bas, travailler alors? C'est moi qui vais t'aider. Avec l'autre aussi, tu es vieille, maman, pas en mariage. Sors chez vous, tu pars en mariage. Mais si c'est pour moi, si c'est bon. Pour moi. Même bon. Maman connaît, il n'a jamais été avec toi. Bon. Tu comprends? Bon. Je n'ai jamais été avec toi. Mais tu as été avec toi. Tu es une vieille fille. Bon. Je n'ai jamais été avec toi. Bon, Naomi, comme aujourd'hui, tu as préparé le coq. J'ai mis en programme que je vais manger le coq. Tu n'as pas servi. Désormais, dès que tu prépares, prends gaz très très long parce que je vais prendre ça. Jeter. Ou bien mettre même l'eau dedans. L'eau. Dedans. Parce que mon petit frère, son âge, c'est mon agent. Tu connais quel souffrance qu'elle a fait pour lui. Deux manioc, tu cries sur nous. Maman. Oui. Ça va. Bonsoir. C'est le retour. Ah ouais, ça va. Mmh, toi, tu dois ta lecture. Ah ouais, c'est il faut lire. Pour se cultiver. Vraiment. T'as compris. C'est comme ça. Les problèmes, c'est que le boss là, il a fait quoi? Quel faux marché encore là? Comme il est toujours l'homme des faux marchés là. Et si aujourd'hui, la première midi là, il va seulement la pick-up arriver. Le boss est où? Le boss est où? On dit que c'est quoi?
On me l'a fait, tu vas le retour qui a cuit, maman. Je suis confondu. On l'a arrêté. On l'a arrêté, elle est partie à lui, non? Non, là, c'est même plus gros que ça. Allez, qu'on va faire comment maintenant? Hein? Ah, tu sais. Je m'as dit que tu rentres même tôt. J'ai dit 16h30. Tu parles. On est resté. Il est 16h30. On nous a les questions là-bas. On m'a pas dit qu'on m'a rien. Soit je suis mort le matin comme ça, il vient, tu connais moi rien. La soleil même nous donne d'abord qu'on fait quelque chose. On est parti avec lui, non? C'est le collègue qui a dit qu'il part aussi un peu essayer de voir que me rend comment tu je suis. Tu vois quoi là? Rentre. Il peut voir quoi? Quand tu cherches ses problèmes, c'est pour toi. Hein? Ah. T'as bien fait là. Elle est sortie. Non, elle est là. Elle a fini de. J'ai jamais demandé comment pas. Ah bon? Hein? Elle a fait un très bon coq. Mais la fille là, il faut qu'on aille chez ses parents. On aille chez ses parents. Il faut qu'on dote la fille là. Elle se porte tellement bien. T'as compris maman, on va partir la douter, c'est rien. Tu sais que c'est toi qui es la tête de la machine. Si tu vas, je vas seulement. Et tu dis que tu ne vas pas. Ouais mon enfant, petit pays avait dit quand on aime une femme, on l'épouse. Eh bien, comme ça, chaque jour, il y a encore des petits pas chez nous quand on a l'épouse. Ouais ma mère, ouais grand-mère, j'ai compris. C'est comme c'est l'argent non maman. Comment c'est le qu'on peut partir? Tu as l'argent mon petit. Tu as l'argent. C'est toi qui prends l'argent dans l'occasion derrière. Compris, on va gérer. Aller. C'est pas bien. Compris. Quand tu parles comme ça, ça veut dire qu'elle a approuvé quoi. Non, elle m'a approuvé. Elle m'a approuvé franchement. On va programmer ma. Ma mère peut me toucher d'abord. D'accord. Si vous voulez vous rester là, vous faites le bavardage comme vous voulez. Comme ça, à cause du coco, vous voulez me tuer là. Oui. Y'a pas. Je pas la bonne voix, maman. Parce que je pas la bonne voix. Oh, elle nous ferme la porte. Attends. Bah, reviens. Bon arrivé chez elle. C'est quoi cette agitation là? C'est quoi ça? Tu dis que c'est pas ton frère et ta soeur. Sauf lui me déranger ici, même comme toi, il veut manger le corps, il veut manger le corps. Je peux pas pour eux ici. Oh. Donc comme il est venu là comme ça, il venait comme ça d'ici que tu laisses le coq. Sauf lui m'insulter ici, merde, m'insulter jusqu'à. T'avais dit quoi, chérie? Pardon. J'étais à supplier, fatigué. Que sortons d'ici. On va trouver notre maison. Même s'il faut aller en location, on part en location, on reste tranquille. Je t'ai dit ça. La seule personne qui est parue de la nuit ici, dans ta mère. En dehors d'elle, le reste, eux-mêmes, ils peuvent se battre. Ce sont tes aînés. Tu ne dois pas rassurer pour que tout, c'est toute la maison qui mange. C'est quoi? Donc décidément, c'est pas, ceux-là n'ont pas, ils ne veulent pas changer. Ils pouvaient se manger, dormir, ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent rien faire de leur vie. C'est ma menu. Quand je n'ai pas là, ils viennent menu. Compliqué, hein. Chérie, sortons d'ici. Calme-toi, ça va aller, ok? C'est pas pour le moment, bébé, il faut supporter encore un peu, ok? Mais tu travailles, tu as un peu d'argent, tu sais, mais un peu d'économie, on peut y apprendre même une chambre. On ne doit pas dépenser comme ça, il faut penser à demain. On a les projets, on a les trucs à faire. Hein? On se lève le matin comme ça, on déménage, bébé. Est-ce qu'on peut le loyer ici? On économise encore un peu tant que nous sommes là. Et pendant que tu as subi tout ce que je suis en train de subir là, chérie, ça va aller, hein. Ils sont pas très fâchés, hein. Ils sont jaloux, tu vois un peu. Quand ils voient comment moi, le petit frère, j'ai tout ça comme ça, la maison comme ça, là, et qu'on mange bien chez nous ici, là, leur couple gonflé. Tu vois un peu. Mais quand ils disaient que tu avais là à l'école, tu pouvais, tu vois, la jante des girafes là. Ok. Voilà, j'ai dit, maman la foutait chaque jour. Elle ne voulait pas prendre, hein. Elle ne voulait pas. Tant que petit bandit là, mes frères là, non. Heureusement que Dieu, on m'a pas dit le don.
même sans que le baptisme n'ait pas reçu, maman, tiens mon argent. Hein? Ça on va partir d'ici, tu as prié. Sinon. Tu m'as dit. Ton coquille après. Alors, on prend. On prend une bonne touche, mangez. Le corps. Oui. De manioc. Oui, madame, je vais supporter même ce qu'il ne faut pas. Mais ça ne peut pas se passer comme ça. Ça va se passer comme ça. Je ne mange pas ça de la même manière. Quelque chose va se passer. Elle ne va pas vous donner. Tu parles que ma femme est montée, ma femme est descendue. Ma femme t'a dit à peu. Qu'est-ce que tu l'as fait? Tu l'as parlé comment? Et toi? Vous venez chez moi. C'est vous qui l'avez sonné ici. Charlie, maman. Charlie. C'est quoi? Hein? Oui, maman! C'est quoi?